Bonjour à tous, les Gémeaux, votre tirage pour mois de juillet. Alors, j'ai utilisé plusieurs oracles pour voir les Gémeaux. D'abord, j'ai tiré la carte de vous êtes les Gémeaux, vous n'êtes pas patiente. Parfois, vous n'aimez pas les conflits. Ou parfois vous êtes vite nerveuse ou stressée. Besoin peut-être les calmes. Prenez les calmes. La carte, l'énergie de mois de juillet, pour vous, c'est un nouvel départ, une nouvelle aventure. Quittez quelque chose. Laissez quelque chose. Vous prenez le risque. 7 mois, c'est. Vous êtes prête à commencer à zéro, égal professionnel, santé mentale, quitter la famille, quitter le travail. C'est quelque chose de nouveau. Vous commencez à un nouvel départ, peut-être déménager, partir, nouvel travail, nouvelle vie. Et pour vous, c'est la liberté que vous êtes cherchée. Est-ce que vous êtes senti bloqué par un travail, que vous n'êtes pas bien? Est-ce que vous êtes avec une relation? Est-ce que c'est quelque chose de familial? Alors, la carte du soleil, c'est la joie. Cette liberté, cette décision que vous prenez, même vous prenez le risque, vous ne savez pas derrière ce risque, est-ce que quelque chose de bien ou pas? Vous êtes prête à prendre ce risque et c'est un nouvel départ pour vous. On va avec les cartes, qu'est-ce qu'elles parlent pour vous? Les cartes de l'oracle des miroirs. Les changements, vous voyez? C'est pas par hasard sortir les maths, c'est les nouvelles. Aventure, nouvel risque, prendre, quitter le passé, laisser tout derrière vous, c'est les changements complètement. Et ça part toutes les saisons, soit peut-être jusqu'à la fin de l'année, ou soit c'est les choses qui étaient bloquées chez vous, ça commence à bouger. Alors, ça sortait la culpabilité, je pense, doit pas sentir coupable. Égal quelle situation vous trouvez. Cet changement, c'est pour aider, sentir libre cette culpabilité. Pour moi, le changement, ça commence à sortir cette culpabilité par égal quelle situation professionnelle, ou santé mentale, les gens qui peuvent être séparés ou divorcés, ou quitter quelqu'un, ou quitter une personne. Pas besoin de sentir cette séparation. Pour moi, si vous êtes séparé de quelqu'un, pour moi, il y a un retour avec quelqu'un qui vous est déjà séparé. Est-ce que vous sentez la culpabilité parce que vous quittez cette personne, que vous sentez peut-être pris une mauvaise décision? Mais les maths, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de prendre les décisions. Alors, l'essence donne à une relation. L'essence d'un couple. Il y a quelque chose qui vous est coupé avec une personne, communication, peut-être il y a un retour à une communication, un retour à une personne, peut-être ou même à une réunion familiale, oui, à une femme proche de vous, soit c'est vous. Les Gémeaux, si vous êtes une femme, ou soit c'est une femme, si vous êtes un homme, c'est une femme. Il y a un contact avec une femme proche de vous, soit c'est votre maman, soit votre femme, soit votre ex. Il y a quelqu'un qui vous communique, ou un contact, ou une sortie, ou un rendez-vous avec cette personne. Alors, la liberté est là. La joie. Alors, vous attendez longtemps de quelque chose. Vous attendez peut-être ce changement. Ce changement, vous êtes pris beaucoup de temps pour avancer ou pour prendre cette décision.
Voilà, il y a une joie à retour dans votre vie. Soit vous changez de travail et vous trouvez un travail qui vous apporte une stabilité matérielle, une stabilité professionnelle. Si vous attendez longtemps pour trouver un travail, pour moi, c'est possible. Il y a une personne qui veut aider, qu'elle donne un cadeau, soit qu'elle aide pour trouver ce travail. Si vous êtes longtemps cherché de travail, ou soit sans travail, vous trouvez un travail grâce à une personne de votre entourage, ou à une personne vous connaissez déjà, cette personne qu'elle vient donner. Alors, par le passé que vous êtes parfois, vous n'êtes pas conscient, même vous êtes prendre le risque, vous êtes pas, parfois vous êtes faire les choses sans réfléchir. C'est pour ça parfois vous faites, vous sentez les culpabilités, peut-être vous êtes séparé de quelqu'un par le passé qui vous sentez beaucoup les culpabilités. Est-ce qu'il y a un problème avec la famille, avec une mère, avec un proche qui vous a dit quelque chose, qui vous êtes les messages clairs. Attention les ragots. Soit les gens proches de vous, soit les gens qui parlent beaucoup, qui vous êtes besoin d'éloigner ces gens. Peut-être vous n'êtes pas conscient, il y a les gens méchants, ou soit les gens qui parlent beaucoup, qui font attention à ce que vous dites, soit dans le travail, soit dans la famille, soit les amis. Alors, il y a les gens qui réfléchissent, peut-être faire une formation pour un nouvel travail. Si vous êtes une personne qui vient vous aider pour faire cette formation, pour trouver un travail, ou soit si vous êtes faire l'étude, peut-être il y a quelqu'un qui veut aider pour trouver un travail, pour gagner un petit peu l'argent, si vous êtes dans la difficulté. Si quelqu'un, soit une assistante, soit une personne qui veut aider, vraiment les gens qui sont peut-être, qu'elle fait l'étude, ou soit une formation, qu'elle veut faire, peut-être il y a quelqu'un qui veut aider. Je tiens la dernière carte, la carte, les communications, l'échange. Je vois une personne qui communique, un nouvel contact avec une personne, un ex, ou soit quelqu'un de la famille, ou soit une femme, ou soit un homme. Si vous êtes cherché un travail, si vous faites l'étude, que vous cherchez un petit travail, il y a une personne qui donne une opportunité pour vous. Attention, vous n'êtes pas conscience dans votre entourage où les gens sont très méchants. Alors, attention à ça. Beaucoup les ragots. Ouais. Si vous êtes une femme, faites attention avec les femmes, votre entourage, soit professionnel, ou santé mentale, ou soit familial. Hein. On va voir avec les autres cartes, les Gémeaux. Il y a beaucoup de ragots, beaucoup de gens qui parlent. Ouais. Vraiment, il y a une personne, vous contactez avec une personne gentille. Peut-être sortir, boire un verre, une sortie, peut-être manger ensemble, soit une personne proche de vous, soit si vous êtes jeune, peut-être votre maman, soit une amie, soit une ex qui retourne, c'est possible. Pressentiment, vous êtes sentez quelque chose, vous sentez quelque chose pour une personne, vous sentez pour quelqu'un, besoin, les communications deux fois sorties, les contacts, l'équilibre, vous cherchez l'équilibre, le contact à une nouvelle personne, à un nouvel métier, à un nouvel contact. Il y a un examen qui doit passer pour une formation, ou soit vous êtes dans l'étude, peut-être il y a un examen qui doit passer à bientôt, mois de juillet, ou soit... Soit cette formation que vous voulez faire, passer un examen, il y a une personne qui aide. À une purification, besoin, un nettoyage dans votre entourage. Sortez avec les gens qui sont négatifs, coupez les liens parce que ces gens sont toxiques pour vous. Il y a un réveil, hein?
Attention, les rebelles, soient professionnels, santé mentale, il y a quelqu'un qui les méchante. Les magiciens, c'est les jours qu'ils commencent peut-être une formation ou les jours qu'ils font l'étude et un contact avec une personne qu'ils veulent aider pour trouver la stabilité et l'essence pour vous. Cet examen, c'est positif. C'est le protessage qui est sorti. Le protessage, c'est peut-être vous devez faire un protessage ou soit un examen pour une formation. Ou les jours qu'il fait l'étude, peut-être il cherche une place de protessage, qu'ils veulent peut-être travailler ou faire même temps l'étude. C'est possible, il y a une personne qu'il donne une opportunité et pour vous, c'est comme une leçon. Il y a les gens qui doivent couper avec un lien toxique avec les gens, votre entourage, ou un rebelle, un ex ou un ex ou soit à une personne qui vous commencez à sentir cette personne, elle est malhonnête, elle n'est pas gentille. Alors, vous commencez à méfier, vous commencez à faire un nettoyage. Vous êtes légèrement, vous n'aimez pas beaucoup de disputes ou de conflits. Vous n'êtes pas trop patiente, discuter avec les gens tranquilles, vous êtes très nerveuse, vous vide comme le feu, vous dites les choses, vous tranchez vite. Peut-être parfois vous êtes très rapide, vous prenez cette décision, vous partez, soit sentimental ou professionnel, attention, hein. Prenez pas ça avec les, comment dire, sans réfléchir. C'est comme les maths, comme les feux. Les feux, ils font les choses sans réfléchir. Hein. Parfois, ils font les bêtises, ils font les choses, soit attention professionnelle ou santé mentale. Hein, que je vois ici, peut-être dans le passé, que vous êtes pris les choses pas bien à une décision et que vous êtes senti la culpabilité ou vous regrettez. Voilà, les Gémeaux, alors. Peut-être votre parole, hein. Parfois vous blessez les gens ou soit faites les choses avec la nervosité. Vous êtes une personne qui cherche la liberté. Peut-être vous n'êtes pas bien, besoin sentir cette liberté. Voilà les Gémeaux, si vous l'aimez, partagez. Partagez avec les amis, je soutiens cette chaîne. Merci.